To be in awareness that I am a soul, a point of light, and I merge. I merge my mind and intellect. Dans mon esprit, mon intellect. Je deviens une graine. And also go into the experience. Je viens aussi dans mon niveau éternel. Un être pur, un être paisible, and I take God's love, God's light. Je reçois l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. La lumière de Dieu est là. À chaque respiration, mon corps entier. Because every thought is que chaque pensée est connectée avec la respiration. Even while eating, so the vibrations of peace. Ainsi, les vibrations de paix. Qu'elle soit là, mais quoi? On va entrer profondément connectés. Et l'esprit et l'intellect sont le lien entre l'âme et le corps. My aim is to be in my eternal. But it's d'être dans ce niveau éternel. In cette conscience pure. Je prends le drishti de Baba. J'expérimente mon niveau angélique, mon niveau aviact, niveau angélique. In the stage. Le niveau qui est au-delà de la conscience. Donc, pendant un petit moment, prendre l'esprit et l'intellect. Devient très subtil, très angélique, aviaque.
there is deep, il y a un silence deep, profond. L'observateur. Je deviens détaché du corps. Une seconde. Connect dans mon papa. There is only une seule âme suprême. With always in his eternal and unlimited source. Et toujours dans cette forme éternelle et illimitée de source constant. He is consistent. We give him the name Sadashiv. Toujours. Et alors que je prends le drishti de Baba, cela devient si facile et naturel. D'être dans le silence, d'être paisible, tranquille. Il y a cette expérience du pouvoir intérieur dans cette stabilité. Et ainsi, je me ressens tellement rechargée. Je vis absorbée. Dans l'amour de Baba, dans la lumière de Baba. Baba est le bienfait. He's filling us. Il nous emplit avec son amour, sa paix, sa lumière. Un jeûne, cela signifie prendre des précautions au niveau physique, que ce soit vis-à-vis de la nourriture, de la boisson, ou encore dans l'activité et le comportement. Dans les deux, le but est de transformer son attitude par ce vœu. Vous avez tous fait un vœu de pureté et avez rendu votre attitude élevée. Sri
Quelle attitude avez-vous créée vers toutes les hommes? Avec l'attitude de voir toutes les âmes comme des frères, c'est-à-dire avec cette attitude de fraternité, vous, les Brahmins, êtes devenus de grandes âmes. Vous avez tous rendu ce vœu ferme, n'est-ce pas? Om Shanti, promise of determined thought, with your perfect form, become an instrument to reveal God. La promesse d'une pensée déterminée, avec votre forme parfaite, devenez un instrument pour révéler Dieu. Faites-moi pied de feu. Au moment où vous avez pris naissance, vous avez promis qu'à chaque instant, quelles que soient les pensées que vous créez et les actions que vous accomplissez, vous ferez pour le service divin du Père. Au lieu de faire un service divin, faites une mauvaise action avec votre temps, votre corps. Ce ne peut pas être appelé être complètement empli de foi. Par conséquent, devenez totalement empli de foi. Avec la promesse d'une pensée déterminée, réussissez tout avec les autres. Welcome to Vyakti Parivar. Today's day 19. Promise of determined thought. With your perfect form, become an instrument. La pensée est terminée avec votre forme parfaite. Devenez un instrument pour révéler Dieu. Faites-moi rempli de foi même en écoutant mon Nididi sur le sujet. Om Shanti, everyone. Can you all hear me? Yes. Vous m'entendez tous? The time passes very fast. Le temps passe tellement vite. On dit que quand il y a la joie et le bonheur, le temps passe vite. Et quand quelqu'un n'est pas heureux,
pour une raison ou une autre, le temps passe très long, très longuement. Donc, je pense que je trouve qu'à Dubaï, avec la famille, et selon les différentes activités, avec les différentes activités de célébration, le temps passe vraiment très vite. Quand je regarde tous, je ressens aussi votre présence ici, comme si vous étiez tous, toute la vie active par ailleurs, tous présents, vraiment comme présents ici. Baba has been talking about Baba nous a parlé combien au fait de combien nous appartenons à Baba, nous le reconnaissons, et dès que nous le reconnaissons, la première pensée qui vient est je sais que je veux faire la tâche de Baba. Je me souviens que tous, intérieurement, en donnant le message de Baba, en vivant le message de Baba, ça veut dire dans la pratique, vivre une vie sur ce que Baba nous enseigne. Et c'est alors une foi qui augmente plus de foi pour Baba. Dans le drama. Je sais que quand on regarde les vies de Daddy, leur abandon pour toute chose, pour Baba, elles ont quitté leur maison, elles ont quitté leur famille, elles sont juste venues à Baba. Et la seule chose à faire, c'était de vivre une vie pure et de donner le message. Et tout le monde devrait suivre cette pureté. Donc, quand nous utilisons le mot avyakt signal, le signal, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui ne peut, ce n'est pas nécessairement parlé, mais nous le suivons. Et nous le mettons réellement en pratique. Et alors, si nous ne sommes pas capables de le faire, amener cette transformation, de porter une attention à l'autre. Et donc, une des qualités importantes est d'être rempli de foi. Et la foi, être rempli de foi, cela signifie réellement utiliser chaque pensée dans le service de Baba. Et cela signifie que quand nous trouvons que les pensées vont dans une mauvaise direction, lorsqu'il y a des pensées perdues, immédiatement nous devons les changer. Cette vie est comme un voyage. Si quelqu'un visible sur un lieu. Alors vous décrivez, j'ai vu ceci, c'était de cette façon. La plupart du temps, vous décrivez presque toute la scène. Mais ici, Baba dit que toute la scène, vous voyez, les comme des scènes, tout simplement, et passez-les. Ne n'ayez pas besoin de parler de tous les détails de cette scène. La majorité des gens, même dans la famille divine, même dans la famille de Baba, sont dans les scènes d'à côté. Seulement dans les scènes d'à côté, mais qu'est-ce qui fait ceci, fait cela. Et si nous en venons à savoir combien des gens ne sont pas corrects, est-ce que nous devrions continuer d'y penser, d'en parler? Donc, bien nous pensons juste que ce sont des scènes d'à côté. Cette scène émerge. Et la différence est que dans le monde lokik, nous décrivons la scène dans le voyage lokik,
dans un voyage spirituel, quel que soit ce qui se passe, on descend d'à côté. Et la majorité des enfants de Baba ne sont pas, au lieu de penser à ces scènes d'à côté, de continuer d'y penser, elles continuent d'y penser, mais nous le savons, mais nous continuons d'en parler. Donc, intérieurement, il y a beaucoup tellement de gaspillage à ce moment-là. Il y a des pensées ruineuses, il y a des pensées de perte du temps, et aussi il y a des obstacles subtils sur le chemin. Que ce soit dans le souvenir, ou bien, comme Baba dit, vous suivez le Père. Brahma disait par rapport au drama que le rôle de chacun était différent. Et donc, en tant qu'acteur, je dois jouer mon rôle, ou bien est-ce que je m'assois dans ce niveau et je décris le rôle des autres. Donc, c'est vraiment une dharana subtile. Une dharana très subtile. Il n'y a pas de service là, à ce moment-là. Et donc, Baba dit, vous devez servir à travers la pensée. Et même nous travaillons dur, nous pensons de façon très dure à ce que les autres doivent faire. Donc, quel sera notre rôle? Donc, c'est pour ça que Baba dit que dans Shiv Jayanti, c'est le seul passé de vous passer. Donc, quelle sera notre tâche d'avoir des pensées et une attitude élevée? D'amener la transformation pour inspirer les autres. Et nous devons pour cela être de bons exemples. Ou sinon, si je fais uniquement ce que font les autres, alors nous disons non, c'est incorrect. Alors nous commençons à critiquer et nous faisons cela encore et encore. Ce que les autres font, alors je devrais faire pareil. Et si les autres ne font pas, je ne ferai pas. On sait de façon très subtile notre dharma et de suivre le Père précisément, d'être rempli de foi dans nos pensées, parole aussi. Baba ne décrit jamais le rôle des autres. Les enfants devaient être ce qui est très important. So completely faithful. Donc, rempli de foi. So interesting when we look at. C'est tellement très intéressant quand ceux qui ont été numéro un quand voyons Brahma Baba Adi Prakash Mani. Adi Prakash Mani était tellement fondu non seulement dans l'amour de Baba, mais très profondément dans le fait de servir le Yagya. Et du Yagya servir le monde. Donc, vous pouvez seulement servir quand il y a cet enthousiasme. Mais beaucoup de gens d'enthousiasme sont découragés parce qu'ils ne voient seulement ce que font les autres. Mais je dois faire ce que Baba dit. La tâche de l'établissement. Nous devons rendre le Yagya libre des obstacles. Nous devons devenir complet, mais aussi rendre ce Yagya complet. Et comment rendre le Yagya complet? À travers notre détermination, notre pureté, nos actions élevées.
tout en servant. Le service de Baba. Quelquefois, ce n'est pas du service. Le pouvoir dont le service vient dans le fait d'être rempli de foi, ce qui est donc très important. Même dans les relations lokiques, celui qui est rempli de foi lui fera ce qu'on lui dit de faire. Et si vous n'êtes pas rempli de foi, vous vous décevez vous-même. Et vous décevez aussi Baba. Parce que votre activité ne montre pas que vous êtes rempli de foi. Je ne montre pas que vous suivez Baba. Ou que vous faites la tâche. Donc portez une attention. Pensez profondément à cela. Et cela vous aidera pour devenir rempli de foi. Le changement vient dans le fait d'être rempli de foi. Beaucoup de changements viennent de là. Donc non seulement la foi, mais être rempli de foi. Nous devons être. Brahma Baba was number one. Brahma Baba était numéro un du fait de son niveau rempli de foi. Son intellect, son esprit n'était attaché par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Juste un seul Baba. Et naturellement, il y avait tellement de service de dérouler. En abandon, en regardant Baba. Tous, si nous portions attention, beaucoup de services ont chanté. Shukriya aapka pyare prabhu shukriya shukriya aapka pyare prabhu shukriya mujhko
your perfect form. La promesse d'une pensée déterminée avec votre forme parfaite devenait un instrument pour révéler Dieu. Et complètement empli de foi. Au moment où vous avez pris naissance, vous avez promis qu'à chaque instant, quelles que soient les pensées et les actions que vous accomplissez, vous le ferez pour le service divin du Père. Quand au lieu de faire un service divin, vous faites une mauvaise action avec vos pensées, votre temps ou votre corps, cela ne peut pas être appelé être complètement empli de foi. Par conséquent, devenez totalement empli de foi. Donc, avec la promesse d'une pensée déterminée, réussissez avec les honneurs. Et votre forme parfaite, devenez un instrument qui révèle Dieu. So tomorrow is Monday and our schedule from Amritvela. Et l'emploi du temps pour demain. Donc, voyant la vie actuelle du 109, nous inspirer à changer de Brahmin en ange. Shanti, 9th June 1969. Laziness, the sweet form of inactivity. La douce forme d'activité. L'inactivité. Dans les deux révisions de 69, 9 juin 69. Êtes-vous tous stables au niveau de l'abjecte? Est-ce que vous êtes dans la forme corporelle? Comment appelez-vous le niveau abjecte? Reconnaissez-vous? Il y a d'abord la reconnaissance du niveau abject, puis il y a le discernement de celui-ci. Avez-vous la connaissance de ces deux aspects? Comment appelez-vous le niveau abject? L'absence de la conscience de la forme corporelle. Comment peut-il ne pas y avoir de conscience de la forme corporelle tout en accomplissant des actions avec la forme corporelle? Quelle expérience avez-vous du niveau abject en étant dans la forme corporelle? Aujourd'hui, Papa vous demandait à tous ceci. Quel est le temps le plus long que vous devriez passer dans la nuit? Quel devrait être le plus long, le savez-vous? 8 heures. Quelqu'un dit, selon le niveau complet, même 8 heures sont insuffisantes. Selon votre effort actuel, 8 heures, c'est trop? Pas une seule personne ne lève la main. Matcha. Ceux qui ont atteint 6 heures, levez la main. À nouveau, pas une seule personne ne lève la main. Matcha. Ceux qui ont atteint 4 heures de souvenir, levez vos mains. Certains ont levé la main pour 4 heures de souvenir et d'autres pour 2 heures. Selon ce résultat, de combien de temps avez-vous besoin pour faire des efforts? Le cours est terminé. Vous suivez maintenant le cours révisé. De révision. Mais même dans ce cas, le résultat pour la majorité d'entre vous n'est pas très bon. Quelle est la raison? Vous faites tous des efforts, vous avez l'enthousiasme et vous avez le but. Pourquoi n'êtes-vous pas capable de le faire? Manque d'attention. C'est quelqu'un qui a répondu pas très bon. Dans quel aspect y a-t-il un manque d'attention? Comment est l'attention nécessaire pour être digne et de s'en approcher?
pour rapprocher. Mais quel est l'aspect de l'attention qui fait encore défaut? Qu'est-ce qui cause le manque de pratique du niveau avyakti? Ceux qui sont passifs, c'est fort. Y a-t-il quelqu'un assis ici qui dirait qu'il n'est pas un faiseur d'efforts? Pourquoi êtes-vous des faiseurs d'efforts? Pourquoi cela fait-il des choses? Que devez-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas capable de rester introverti quand vous le voulez? Pourquoi devenez-vous extraverti? Pourquoi? Pourquoi n'êtes-vous pas capable de rester introverti quand vous le voulez? Pourquoi devenez-vous extraverti? Vous êtes tous devenus des hommes éclairés tout en étant intelligents, des hommes éclairés. Pourquoi devenez-vous insensés? Vous avez reçu la compréhension. Le cours de compréhension est également terminé. Et puisque le cours est terminé, cela signifie que vous êtes devenu sensé. Pourquoi êtes-vous toujours insensé? On a vu que la raison principale que certains ont été négligents, et cela peut aussi être appelé la paresse, la douceur et la léthargie. Il existe de nombreuses formes de paresse. La majorité d'entre vous sont paresseux ou négligents sous une forme ou une autre. Il y a le désir et aussi l'effort pour le faire. Et parce qu'il y a de la négligence, vous n'êtes pas capable de faire le genre d'effort que vous devriez faire. Lorsqu'il y a une plus grande connaissance dans l'intellect, il y a une plus grande négligence à cause de cela. Ceux qui se considèrent comme moins intelligents font des efforts intenses. Ceux qui se considèrent comme très intelligents le désespoir de montrer et de faire quelque chose qu'il y avait auparavant dans votre effort est maintenant terminé, devenu satisfait. Vous êtes satisfait de vous-même. Nous avons compris la connaissance de certains, nous rendons service de toute façon. Devenir une âme satisfaite de cette façon. Il va y avoir cette compulsion et cet enthousiasme dans votre effort. Quand lorsque ceux qui sont dans les liens sont désespérés, ils font des efforts intenses. Cependant, ceux qui ne sont pas dans les liens se contentent et deviennent négligents. C'est le résultat que l'on observe, personnes qui font des efforts. Donc pensez toujours que vous êtes en train de devenir le plus grand fauteur, le plus grand faiseur d'efforts. Et donc, vous l'êtes devenu. Not that you have become that. When there is the knowledge of all the three aspects of time. Parce que la connaissance des trois aspects du temps est présente dans l'intellect, vous vous considérez comme encore plus intelligent. Également dit précédemment comment on devient un maître quand on doit devenir un enfant et comment on devient un enfant quand on doit devenir un maître. C'est le nombre de 12 efforts sous la forme d'un enfant. Vous avez revendiqué un droit au royaume et vous avez également reçu le tilak. Cependant, cet effort mou et doux ne suffira plus. Plus vous resterez stable dans la forme de la shakti, plus votre effort sera puissant. Actuellement, votre effort n'est pas puissant. Il est mou. Faites tous des efforts, mais il n'y a pas la puissance qu'il devrait y avoir dans l'effort. Ce n'est pas un effort puissant. Afin de remplir votre effort de puissance, vous devez garder un poids en face de vous le matin. De la manière que vous avez une conversation de cœur à cœur ouverte à l'Amrit-Vela, de cœur à cœur à l'Amrit-Vela. Afin de rendre votre effort puissant, retenez surtout un point ou un autre dans l'intellect. Donc spécialement retenez un point ou un autre
dans l'intellect. Maintenant, vous devez faire un effort particulier. Tant de l'effort ordinaire et des aimants est désormais révolu. De même que vous tenez des fonctions spéciales, de la même manière, vous devez maintenant comprendre que parce que le temps est très court, vous devez avoir un programme pour faire des efforts spéciaux. Vous devez garder l'objectif de faire un effort spécial et d'aller de l'avant. Si vous continuez à avancer avec ce mauvais résultat, quel sera le résultat des examens qui sont encore à venir? Les examens beaucoup plus difficiles sont à venir. Et pour les affronter, il faut faire des efforts. Si l'effort est ordinaire et les examens sont difficiles, quel sera le résultat? If the effort is ordinary and the exams are difficult, what will the result be? Acha, today is Baba is meeting. Du Baba rencontre les frères. Are you content with your effort? Satisfait de vos efforts? You are continuing to move along, but to what percentage? Quel pourcentage? Ceux qui considèrent qu'ils suivent Srimat à 75%, levez. 75%. Vous enlevez la main. Acha. Quelle est la Srimad principale? Srimad principale est de rester sur le pèlerinage du souvenir aussi longtemps que possible. Parce que c'est à travers ce pèlerinage du souvenir le succès dans la pureté, vertu divine et le service. What is the charge of remembrance like for those who follow Srimad by 75%? À quoi ressemble la charge du souvenir de ceux qui suivent la Srimad à 75%? Leur charge de souvenir devrait également être de 75%. Tel homme est appelé celle qui suit Srimad. Aujourd'hui, les frères ont été spécialement placés à l'avant. Les sœurs ont été priées de revenir plus tard. Car chaque fois qu'une réunion doit avoir lieu, les sœurs accourent rapidement, tandis que les frères restent. Il faut aussi donner une responsabilité aux frères. En fait, elle leur a déjà été donnée. Vos images ont montré qu'après l'âge de cuivre, vous perdez votre couronne. De la même manière, vous avez reçu la couronne de la responsabilité. Parfois, vous l'enlevez sciemment. Quoi, Maya l'enlève. En Satyug, les couronnes sont si légères que vous ne pouvez même pas dire qu'il y a un poids sur votre tête. Les scènes et les corps de Satyug se présentent-ils devant vous ou non? Les scènes de Satyug viennent-elles d'elles-mêmes devant vous ou les faites-vous émerger? Au fur et à mesure que vous progresserez, les scènes de Satyug viendront devant vous, même si vous n'avez pas de souhait conscient. Il ne sera pas nécessaire de les faire émerger. Au fur et à mesure que vous rapprochez, les scènes se rapprocheront également. Om Shanti. Et terminer avec la forme parfaite et devenir un instrument pour révéler Dieu. Devenez un instrument pour révéler Dieu. Become completely. Devenir complètement empli de foi. At the moment you took birth, quand vous prenez naissance,
fait la promesse qu'à chaque moment, quelles que soient les pensées que vous créez et les actions que vous accomplissez, vous le ferez pour le service. When, instead of doing, au lieu de faire un service divin, vous faites une mauvaise action avec vos pensées, votre temps ou votre corps, ce ne peut pas être appelé être complètement empli de foi. That would not be called being completely faithful. Therefore, become completely. Conséquent, devenez totalement empli de foi. La promesse d'une pensée est terminée. Avec votre forme parfaite, devenez un instrument. Devenez empli de foi. Sampurna vafadar pano. Devenir donc complètement empli de foi. Au moment où vous avez pris naissance, vous avez promis qu'à chaque instant, quelles que soient les pensées que vous créez et les actions que vous accomplissez, vous le ferez pour le service divin du Père. Donc, au lieu de faire un service divin, vous faites une mauvaise action avec vos pensées, votre corps. Cela ne peut pas être. Agar Ishwariya Seva ki bajaye kahan. Par conséquent, devenez totalement empli de foi. Vatan dwara vyarth karya hota hai. To unko sampurna vafadar nahi keh sakte. Avec la promesse d'une pensée déterminée, réussissez tout avec les honneurs. Om Shanti. Teri yaad ka deep. Jale man mein ek jyot jage is jeevan mein teri yaad ka deep jale man mein ek jyot jage is jeevan mein rehta hai kamal jaise jal रहता है कमल जैसे